Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaîneguitare.com. Thank you.
Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une nouvelle interview depuis le showroom. Je suis avec Mathias Berchatsky, je m'applique pour pas complètement détruire ton nom. Mathias, comment est-ce que ça va ? Ça va, ça va. Ouais, ça va. C'est un peu tôt encore ? C'est un peu tôt, oui. Si on s'endort pendant l'interview, on s'excuse d'avance. D'ailleurs, il faut dire Mathias Berchatsky ou El Mati ? C'est comme tu veux, El Mati, ça mérite d'être plus court, mais c'est pour ça que je m'appelle El Mati d'ailleurs. D'accord, ok. pour simplifier. Si les francophones galèrent à dire Berchatsky, il faut imaginer comment les Andalous rament. D'accord. Genre un truc comme ça. Alors, en fait, c'est un diminutif de Mathias. D'accord. Tu vois, ils raccourcissent tout, quoi. Mais est-ce que c'est une tradition chez les guitaristes de flamenco, chez les musiciens de flamenco, d'avoir une sorte de surnom ? C'est un rite ? C'est un nom d'Indien ? C'est quoi ? Ouais, ça se fait beaucoup. Ouais. Après, franchement, c'est en option. Hein. D'accord, ok. Ouais, okay. C'est en option. Ouais. Ce qui se passe en fait en Espagne, c'est comme ils ont tendance quand même à avoir souvent les mêmes prénoms. José, Manuel, c'est les plus courants. On leur colle des surnoms pour pouvoir les identifier parce que quand tu dis tu connais José, tu dis ok, j'en connais 12 000. Ah oui, celui-là, d'accord. D'accord. Pour ça que Paco, par exemple, Paco de Lucía, ouais. On l'appelait Paco de Lucía parce que sa mère s'appelait Lucía. Et donc on disait c'est Paco de Lucía, c'est Paco de sa mère en fait. On connaissait mieux sa mère que lui. Ok. Sinon, il s'appelle Francisco, c'était un nom très courant. Okay. Des Paco dans le quartier, il devait y en avoir 12 000, et donc on est Paco de Lucía, c'est... Ah bah super, là je vais me coucher moins bête ce soir, excellent. dis-moi, donc Mathias, par quelle a été ta première guitare ? Oh putain, c'est pas vraiment la marque. Hein. c'est la toute première, je ne me rappelle même plus, c'était une vieille classique qui traînait dans l'hôtel de lequel bossait mon père. Et ils n'avaient pas voulu dépenser d'argent dans le doute. Ça se trouve, il va arrêter dans deux jours. Et la toute première vraiment guitare à moi, ça devait être une Yamaha, une guitare de nylon Yamaha, qui avait été achetée sur la 48e rue chez Manny's à New York. Ah oui. Des magasins, malheureusement, qui n'existent à peu près plus c'est maintenant. C'est vrai, c'est fini, ça. Ah, sur la 48e rue, ça a été un peu déserté, oui. Alors, juste à côté de Times Square, là, c'est ça, juste ouais, au-dessus. Ouais. J'avais 12 ans, hein, ouais. Donc... Et voilà, à l'occasion d'un voyage avec mes parents aux États-Unis, ils ont décidé. Pour le prix d'un magazine, abonnez-vous à la chaîne Guitare pour accéder aux vidéos intégrales.